Dassi. 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 Enfin, plus le prix est élevé, plus... L'un d'entre vous a-t-il vu Dassi? Oui, monsieur. Où est-elle? Elle est sous cet arbre, monsieur. Le gros arbre de Yola. Oui, monsieur. Merci. Dassi. Tout va bien? Et pourquoi vous n'êtes pas enterré? Monsieur, c'est une longue histoire. Attendez. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas malade? Non, monsieur, ça va. Donc, je pense que c'est mieux pour nous d'aller à l'hôpital. Merci, monsieur. S'il vous plaît, amenez-la. Dassi, que fais-tu sur une chaise roulante? Que t'est-il arrivé? Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur, vous êtes le bienvenu. Merci. Voici la personne qui a amené Dassi, c'est le professeur de Dassi. Et nous sommes heureux parce qu'il a reconnu que Dassi traversait un moment très difficile dans sa vie. Elle éprouve beaucoup de douleur, beaucoup de détresse, beaucoup d'anxiété, d'autres choses que vous comprendrez dans nos discussions ici. Je comprends. Merci beaucoup. Il n'a pas été facile depuis que j'ai eu Dassi dès son enfance. Dassi a été une source de douleur pour moi. Donc depuis que je l'ai couchée, elle est comme ça, qu'elle est sortie comme ça. Je ne sais pas d'où elle vient. Je suis allée voir le pasteur. Ils disent que c'est une malédiction de Dieu et qu'il ne peut pas la changer. Je suis même allée voir le marabout. Je suis allée voir s'il y a quelque chose que je peux faire pour la changer. Ils disent que ça doit être comme ça parce que c'est une punition. Et je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. C'est difficile de vivre avec Dassi. Je ne peux pas la supporter. Je ne peux pas. Montre-lui juste ton dos. Qui t'a envoyé dans ma mamie? Qui t'a envoyé dans ma mamie? Pourquoi tu as pris la viande là? Tu m'as bien battu et tu m'as refusé la nourriture. Et c'est pour cela que tu es entrée dans ma mamie? Hein? Et qu'est-ce que tu sens? Raconte-moi une femme. Maman ne l'a pas plu. Je commencerai avec toi. Reviens-toi. Attrape-toi là-bas, petite sorcière. Tu as été une source de problèmes. Tu as toujours été une source de problèmes. Assieds-toi là. Assieds-toi là, je t'apprendrai une leçon de ta vie. Où vous allez? Maman, je suis désolée. Je suis désolée.
suis désolée. J'ai pas vu. Ah, maman, j'ai fait un pli. Maman, je suis désolée. Désolée, j'ai fait un pli. Maman, j'ai fait un pli. Maman, j'ai fait un pli, maman. Je suis désolée. J'ai fait un pli, maman. Pardon, j'ai fait un pli, maman. Je suis désolée. Je suis désolée, maman. J'ai fait un pli. Je vais recommencer. C'est exactement la douleur qu'elle a endurée. Dassi, celle-là, qu'est-ce qu'elle nous communique? S'il devait parler, que nous dirait-il? Ça va, calmez-vous. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Oh, mon Dieu! Je suis désolée, ma fille. S'il te plaît, pardonne-moi.
Je dois être son premier avocat. Je dois être le numéro un de la protéger de toutes sortes de mal. La maltraitance des enfants est un crime punissable d'amende et d'emprisonnement. Arrêtez la maltraitance des enfants. Mettez fin à la maltraitance des enfants handicapés. Protéger et sauvegarder les enfants est une responsabilité collective. Rappelez-vous, n'exclut aucun enfant derrière. Il s'agit d'un message des services de santé de la CBC en partenariat avec la Lilian Foundation, la CBM et le ministre des Affaires sociales.